Je fais mon décryptage, je dis ce qui est. Parce que on a invité votre pimpèche là au ventre rond, celle qui est comme une boule d'igname là, qui se fait appeler Flore de Lis, la prostituée des temps ancestrale. Ah, je devais dire plutôt des temps ancestraux. Parce qu'on l'a invité à un événement de brouteurs, de prostituées à Paris, organisé par Moula, par le biais de Apoutchou. Alors, vous pensez que partout où on doit dire le nom d'Apoutchou, vous devez être là. Parce que vous n'avez pas de visibilité. Et pour une fois, alors que votre reine n'arrivait même plus avant cet événement d'Apoutchou, elle n'arrivait même plus à faire même 1500 vues en direct. Alors que vous dites que vous soutenez votre reine. On l'a vu disparaître ici à peu près même sur les réseaux sociaux. Je la voyais faire des vidéos. Je me souviens encore lorsqu'elle faisait avant des vidéos. Lorsqu'elle faisait des vidéos avant, même quand elle est dans le noir, elle est couchée. Dans le noir, il y a l'écran est noir, il n'y a personne. Il y a au moins 6 000, 8 000 personnes connectées qui attendent. Elle-même, elle les insulte, elle dit, mais vous là-même, vous n'allez pas dormir. Mais ils sont là. Voilà comment elle était. Et puis je l'ai clashé jusqu'à puis elle est descendue, elle est devenue rien. Qu'elle faisait vidéo maintenant, même à peine même elle est là, elle parle jusqu'à à peine elle a 1500 personnes connectées. Apparemment, vous voulez que je renvoie ça. Je vous ai dit, je suis comme l'aigle. Quand je te prends, je m'envole à toi. Pendant que je m'envole à toi, ça te fait plaisir. Tu crois que ça te donne des vues. Mais quand je te lâche, et puis tu tombes, parce que je t'emmène sur mon terrain, en l'air là-bas. Et on va se balader là-bas jusqu'à... Quand tu vois le vent t'emporter un peu, tu crois que tu as la force. Quand je te lâche maintenant, et puis tu te débats comme ça, puis tu touches le sol, c'est fini. Votre chose, là, c'est vous qui l'adorez. Nous, en Côte d'Ivoire, on ne la connaît pas. Cameroun même ne la veut pas. Mais elle force. Elle a déjà fait combien de fois prison là-bas pour cette bêtise qu'elle fait hein, au Cameroun. Pour cette bêtise, hein. Pas parce qu'elle a volé, mais juste à cause de son métier de prostitution et de ce qu'elle fait. Elle a déjà fait prison plusieurs fois. On a vu cette traînée se faire enculer en désordre de l'Italie en France. Elle s'est fait même enculer, même par des chiens et même des chats. Aïe. J'ai dit que je ne fais plus clash, mais je vous ai bien dit que si vous me cherchez, vous allez me trouver sur votre chemin. Je fais une exception. Je viens, je vous mets à votre place, je vous gère à côté et puis je vais revenir m'asseoir. Vous avez vu mon commentaire sur la page de Flore de Lis? Vous m'avez vu faire commentaire sur page de Flore de Lis? Laissez-moi là où vous êtes. C'est-à-dire que si vous aimez, si vous avez fait votre coalition avec Apoutchou, prenez-le. C'est entre vous, gros. Voilà. Votre reine, là, son ventre est comme ça, on dirait femme enceinte de, depuis 15 mois qu'il n'accouche pas. Et Apoutchou, lui, il est enceinte depuis 30 mois. Donc, vous, entre vous, les femmes enceintes et les messieurs enceintes, vous ramassez là-bas. Et puis, vous allez vous mettre dans votre panier à crabes de paresseux, de vauriens, de bonariens. Vous allez vous mettre là-bas. Mais ne venez pas sur ma page pour me provoquer. Parce que si vous me provoquez, vous allez me sentir dans vos os, dans votre moelle épinière. Je ne sais pas si vous connaissez ça, parce que vous n'êtes pas allé à l'école. Vous tous ça, des petites traînées au clitoris léger, vous ne connaissez pas ça. Des traînées saletées qui ont fini avec le bois, de Bourgogne, le bois de choses, avec les containers. Nous, moi, je ne sais pas. Je ne vends pas du piment sur ma page. Je ne suis pas là pour vendre du piment. Ici, on ne vous a jamais dit que moi, j'ai fait des plantations de piment. Je n'ai jamais fait même plantation de raisin. À plus forte raison, plantation de cacao. Donc ne venez pas chercher votre piment sur ma page. Je n'en vends pas. Je ne sais même pas comment on cultive aubergine. Vous comprenez, non? Je ne sais même pas comment on cultive aubergine. Parce que ma dernière vidéo que j'ai faite ce matin, je vois dessus, je ne vois que des noms camerounais. Je ne sais même pas d'où vous venez. Mais si c'est vous au Cameroun, je ne sais pas. C'est pourquoi vous avez une momie comme président là-bas. Je ne parle pas de tous les Camerounais. Bien sûr, il faut que certains Camerounais s'enlèvent là-dedans dans ce que je suis en train de dire. Mais si vous avez pris pour métier, vous avez... C'est-à-dire que vous êtes connu dans toute l'Afrique et même en Occident, vous êtes connu pour les meilleures prostituées africaines.
Non, Après ça vous, c'est les vrai. Nigérians. Il dit la vérité pour ça. Après vous, les Nigérians. Donc, arrêtez de venir me provoquer, sinon vous allez me sentir. Vous allez apprécier la chose. Parce que quand j'ai rentré au couillé avec vous, même Bobo Douma de votre reine-mère, là, celle qui est crasseuse, sale, joufflue, on ne peut même pas, on dirait ballon de Michelin, là. On ne peut même pas la récupérer, on ne sait même pas par où on va attraper. Ses seins qui sont confondus à son ventre jusqu'à ce qu'elle ne puisse même pas voir même son pubis, là. Je vais prendre tout ça, là. Je vais remuer ça. Je vais mâcher ça. Je vais vous lancer ça. Comprendo? Et Kamewa, a compris? Parce que vous ne parlez pas français, donc je ne sais même pas dans quelle langue vous parlez. Je ne sais même pas Non, dans quelle langue vous parlez. Votre truc, il y a les bras. Chaque jour que Dieu fait, ses bras sont en train de rentrer dans elle, là. On dirait torture, là. Je n'ai pas encore parlé d'elle, donc ne venez pas me provoquer ici. Je regardais les commentaires, j'ai vu, vous, c'est vous seulement. Parce que j'ai trop duré sur les réseaux sociaux pour savoir quel groupe. Je sais que tout, sur les réseaux sociaux, côté communauté chose francophone, nous sommes, les gens sont divisés, pas moi bien sûr, les gens sont divisés par groupe. Et je connais les noms à peu près, je connais vos commentaires. Vous êtes venu boyer, on dirait, je vous ai invité. Je ne vous ai pas invité. Parce que moi, je ne peux pas imaginer un seul instant qu'un père de famille, une mère de famille, une jeune dame qui se respecte, qui a fait études, ou bien qui a un métier, se fasse appeler abeille, un nom d'animal. Je n'ai jamais vu ça. Les gens se font appeler des tigres, des lions pour montrer qu'ils sont les rois. Parce que le lion est roi de la forêt. Et ils considèrent la vie comme une gêne. Mais des abeilles, vous là, vous enlevez, enlevez ça où? Où on pique? Vous piquez qui? Vous piquez quoi? Vous piquez qui? Vous piquez quoi? Quand vous regardez votre bougnoule là, ça ne vous suffit pas de la voir. Vous m'avez vu dans une salle avec elle? Vous m'avez vu participer déjà à un événement avec elle. Quand vous la regardez, vous me regardez là. On se ressemble, on est la même chose. Votre connerie qui pue de l'huile tout le temps, qui n'est même pas réfléchi, qui est parti.